Voici l'histoire de Bella, qui se réveilla un matin et s'aperçut qu'elle n'en pouvait plus. Trop de gens n'en peuvent plus, ce n'est pas nouveau. Seul compte la façon dont vous réagissez. Bella, elle représente à la fois une multiplicité de femmes, mais je crois pas seulement des femmes, mais plutôt des quelqu'un de faible. Tu m'as croisée dans la rue. Ah bon ? L'autre jour. Tant mieux. Tu aurais pu dire bonjour. Pardon ? Tu ne m'as même pas dit bonjour. Certaines personnes ont appris à vivre et d'autres pas. Elle fait partie de ces gens qui ne savent pas comment prendre la vie. Et maintenant, il y avait cet homme en noir et elle ne pouvait croire qu'il s'agissait d'une coïncidence, que ça n'avait pas d'importance parce que c'était faux. Soit vous êtes une spectatrice, soit vous êtes une victime, soit vous êtes un bourreau. Or, elle n'est déjà plus dans la possibilité d'être spectatrice, puisqu'elle est attaquée. Donc, elle doit choisir victime ou bourreau, et elle choisit. J'ai envie de vous attraper par le cou et de serrer jusqu'à ce qu'il se brise. J'ai envie de vous étouffer. Et ensuite, de voir la lumière s'éteindre dans vos yeux. Qu'est-ce qui vous en empêche? Votre force. Je n'ai pas de force. Vous êtes plus fort que moi. N'importe quel homme est plus fort que moi. Je dirais que tu t'habitues à moi. Oui, je crois. Vous savez ce que c'est quand vous avez besoin d'un homme, quand vous éprouvez l'envie forte et soudaine d'enlacer un homme. Violence est méprisable. Tu m'as fait faire quelque chose que je méprise. Donc, je vais devoir te frapper encore une fois à cause de ce que tu m'as fait faire. Les femmes n'ont pas les possibilités physiques d'un homme, de se défendre. Et pour moi, ce roman, il porte cette question-là, la question de la vulnérabilité de la femme. Ce doit être affreux d'être une femme. Il y a des inconvénients. Ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi vous êtes montée dans ma voiture. Quel genre de fille accepte de monter dans la voiture d'un homme? Fille dans mon genre. Ma fille ne montera jamais dans la voiture d'un homme. Et les filles vont rompir le moteur. L'accélérateur et bondit en avant, s'élança en avant, fonça en avant. Le choc fut si violent qu'il fit un son de carbone par-dessus le capot. Elle se découvre tout d'un coup avec beaucoup plus de sentiments, de force, de violence, de gentillesse, de tendresse, d'amour que ce qu'elle ne pensait au départ. Elle pensait être vide. Donc c'est ça qui est intéressant. Que Dieu te garde, Bella. Que Dieu te garde, toi.